Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui débute la première journée d'inscription pour la formation des professeurs de français. Toute l'équipe de l'Alliance française s'est préparée en amont pour assurer le bon déroulement des inscriptions. Dès la première heure d'ouverture, professeurs et étudiants FLE, tous plus motivés les uns que les autres, sont déjà présents à l'Alliance française afin d'effectuer leur inscription. Un formulaire leur est d'abord présenté, suivi d'un code de connexion qui leur permet d'accéder à un test de positionnement linguistique disponible en ligne. Chaque question est tirée aléatoirement dans une banque de questions, selon des procédures élaborées par les experts pédagogiques et scientifiques de France Éducation Internationale. Ce test est par conséquent aligné sur les niveaux de compétences du cadre européen commun de référence pour les langues et se compose de trois modules, la compréhension écrite, la compréhension orale et la grammaire. Dans la salle, le visage semi-ouvert des candidats exprime une grande concentration. À l'issue du test, certains candidats ont gentiment pris le temps de répondre à quelques questions concernant leur inscription. Je m'appelle Edson Costa, j'ai 31 ans, je suis professeur de français à Trinidad, Marie-Emmanuelle Magabrillo. J'ai su que l'Alliance française organisera une formation pour les professeurs de français. Je me suis dit que c'était intéressant pour moi de soumettre la formation et parce que je comprends que j'estime que l'éducation et l'apprentissage d'une langue, c'est un processus et qui doit toujours être renouvelé. Et je pense que ça serait vraiment intéressant de la suivre et apprendre d'autres techniques d'enseignement. Oui, j'ai le conseil de venir s'inscrire. L'apprentissage d'une langue, ce n'est pas quelque chose qui est clos. C'est un processus qui doit être renouvelé en permanence. Et je pense qu'on pourra beaucoup apprendre dans cette formation intensive qu'on va lire à partir de, je pense, août jusqu'au septembre. On gagnera tous avec la formation, j'imagine, j'espère. Je m'appelle Ingracia de Souza Pontes. Premièrement parce que j'adore la langue française et ensuite parce que je pense que le français c'est une langue internationale où on devrait plus apprendre. Par exemple, si je veux me communiquer avec quelqu'un extérieur, je dois apprendre un peu de français, de l'anglais. Et j'aime bien d'autres cultures, voilà pourquoi je profite sur le français pour apprendre d'autres cultures et améliorer mon français. J'essaie d'étudier la première année de français. Et j'adore cette langue. C'est très bon. C'est une nouvelle expérience. On adquiert plus de connaissances. Oui, parce qu'au Sao Tomé, la majorité parle le portugais. Alors c'est une initiative, c'est un privilège d'apprendre d'autres langues. Voilà pourquoi je conseille à mes collègues ou d'autres personnes pour venir à l'Alliance française apprendre cette langue. Premièrement, je t'aime à la que j'aime beaucoup. Bon. Et comptez vous venir dans le poche moi, il y a une langue à l'Alliance. Pour ici, moi je suis en train d'appeler et d'aconseiller à d'autres alunos à mon parler. Parler au gauche de la langue française. Merci. Merci. Olá! O senhor Gilberto veio inscrever a formação dos professores? Eu vim para adquirir mais conhecimento. Para adquirir mais conhecimento. Vamos ver também. E conseguir mais um diploma de francês, de língua francesa. E o que é que o senhor Gilberto aconselha aos outros professores que não vieram fazer a inscrição ainda? Eu aconselho que eles tenham que vir, porque é muito importante. E essa língua é uma boa língua. Pour suivre l'actualité de l'Alliance française de Saint-Thomas-et-Principe, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. À très bientôt.